that I was confused. Et j'étais confus. But if I am standing here Mais today, si je me tiens ici aujourd'hui, if I am standing here today, si je me tiens ici aujourd'hui, it's because He made a way. Today, and you are in this same situation. Peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous êtes dans cette même situation. Financially, your back is against the wall. Financièrement, votre dos est au mur. Maybe in your career, your business, your back is against the wall. Peut-être pour vos affaires, votre carrière, votre dos est au mur. Even in your spiritual life, your back is against the wall. Même dans votre vie spirituelle, votre dos est au mur. But I want to tell you today. Mais je vais vous dire aujourd'hui. That because you are standing, parce que vous vous it's because he made a way, c'est parce qu'il a fait and he will chemin. Make a way for you. Et il va faire un he will make a way vous. For you. Il va faire un he will pour make vous. A way for you. Il va créer come un and begin pour to celebrate the way comme maker. On peut célébrer le Seigneur. Begin to declare the way maker. There is a way in front of me because he has made a way for me. Commencez à déclarer. Because he has made a way for me. Parce qu'il a frayé un chemin devant vous. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Come on, celebrate him. Célébrez-le. I hear the Lord saying, "Just somebody." J'entends le Seigneur dire à quelqu'un. The Red Sea can be opened. Que la mer rouge peut s'ouvrir. Amen. The Red Sea can be opened. La mer rouge peut s'ouvrir. The Red Sea can be opened. La mer rouge peut s'ouvrir. There can be a dry ground on the Red Sea. Il peut avoir une terre sèche dans la mer rouge. A dry ground on the Red Sea. Une terre sèche dans la mer rouge. Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? If you believe Amen. That, celebrate Jesus. Si vous croyez, célébrez Jésus. Let's have our declaration. Nous allons faire notre déclaration. I celebrate you, Jesus. En anglais, bien sûr. We love you, Father. Nous t'aimons, Père. Nous te célébrons, Père. You are mighty. Tu es puissant. Mighty Adam. Mighty Adam. One, two, go. Un, deux, allons-y. In Jesus' name, I declare my 2023 to be a year of multiplication. Oh Lord, lead me in the path of righteousness for your name's sake this year. Oh Lord, by your hands of mercy, I receive the grace for multiplication. Multiplication in all areas of my life. Multiplication in my walk with Jesus Christ. Multiplication in my service to the Lord. Multiplication in my love for God and for my neighbor. Multiplication in my career, education, businesses, and projects. Multiplication in my gifts and talents. Multiplication in my ministry. Multiplication in good health. This 2023, I receive the grace to be fruitful, multiply the fruits, and walk in dominion. My children shall multiply in all areas of
salvation of my family. The word of God shall dwell richly in me, in all wisdom needed for multiplication. In Jesus' name, I believe and I know that 2023 is my year of multiplication. Come on, celebrate it. Amen. Come on, begin to celebrate him. Celebrate him. Lift up your hand. Just begin to speak to yourself. Begin to speak to yourself. Begin to prophesy. Prophesy. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. In the name, in Jesus' name. Amen. Father, we bless you. Père, nous te bénissons. Can I have 2 Kings chapter 3? Est-ce que on peut avoir 2 Rois chapitre 3? Verse 17 and 18. Verset 17 et 18. 2 Kings chapter 3. 2 Rois chapitre 3. This word is for somebody. Cette parole est pour quelqu'un. For thus saith the Lord, you shall not see wind, neither shall you see rain. Amen. Yet the valley shall be filled with water. Amen. That you may drink, both ye and your cattle and your beasts. Amen. Let me have New Living Translation there. You will see neither wind nor rain, says the Lord. But this valley will be filled with water. Now, I want you to know. Donc, je voudrais que vous sachiez, what is the Lord saying? Qu'est-ce que le Seigneur dit? It takes the wind. Ça prend le vent. It takes the rain for water to appear in the valley. Pour que l'eau puisse apparaître dans la vallée. But God is saying, mais Dieu est en train de dire, I am breaking protocol. Je brise le protocole. Alléluia. I am breaking protocol. Je brise tout le protocole. But you will still see the result. Mais tu verras toujours le résultat. Amen. 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 Every protocol. Tout protocole. That has been standing on your life. Qui se tient sur votre vie. That has been hindering you. Qui vous empêche. Thus says the Lord. Ainsi parle le Seigneur. You will see no wind. Vous ne verrez point you will de see vent. No rain. Vous ne verrez point but de pluie. The valley shall be filled with mais water. La vallée sera remplie d'eau. Amen. The protocol is broken. Le protocole est brisé. The protocol is broken. Le protocole est brisé. The protocol is broken. Le protocole est in brisé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will see no wind. Vous ne verrez pas de vent. Écoutez-moi. Those of you who were worried. Ceux d'entre vous qui étaient inquiets. About the wind. Sur le vent. About the rain. Et la pluie. The Lord is saying. Le Seigneur vous dit. I am the Lord. Je suis le Seigneur. The earth is mine. La terre. And the fullness thereof. Et sa plénitude. I am not subjected to human laws and principles. Je ne suis pas assujetti aux lois humaines et des principes humains. At my dimension. Selon ma dimension. I don't need the rain. Je n'ai pas besoin de pluie. I don't need the wind. Je n'ai pas besoin du vent. Before I fill the valley with water. Avant de remplir la vallée d'eau. In other words. En d'autres termes. I don't need the condition to be perfect. Je n'ai pas
besoin que les conditions soient before parfaites. I command the water to produce fish. Avant que je ne commande à l'eau de produire. What am I saying? Qu'est-ce que je dis? God is enforcing a miracle today. Dieu renforce le miracle aujourd'hui. A miracle that will break protocols. Le miracle qui va briser tout a protocole. A miracle that will break the natural order. Le miracle qui va briser l'ordre naturel. Am I speaking to somebody now? Am I speaking to somebody now? Que je parle à somebody maintenant? Needs that kind of miracle. A de ce genre de miracle. Somebody needs that kind quelqu'un of miracle. A de ce genre de miracle. Ah! 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 Come on, begin to declare it. Begin to declare it. Come on, so begin to declare it. Somebody needs that kind of a miracle. Somebody needs that kind of a miracle. A protocol breaking miracle. A protocol breaking miracle. I don't know if you are that person. Or you are watching me online. Hear me, somebody. Hear me. Écoutez-moi. There will be plenty of water. Il y aura abondance d'eau. For yourself. Pour vous. For your animals. Pour vos animaux. Sister, come. May God break every protocol in your life. Que Dieu brise tout protocole. And release that miracle. Receive it in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. May God break every protocol. Dieu brise tout protocole. And let the miracle come forth. Et que le miracle s'accomplisse. I don't care what they have said, sister. Peu importe ce qu'on a dit, c'est it doesn't dit. Matter what they have said. Peu importe ce qu'ils ont dit. But one thing I know. Mais une chose dont the Lord je sais, says, le Seigneur you dit, will not see the wind. Tu ne verras pas you will vent. Not see the rain. Tu ne verras pas la but the pluie. Valley shall be filled with water. Mais la vallée sera remplie d'eau. Water will come. Kolaba shakali bokura ba zaba da ba ya. Maleko sekere bere 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 bara 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 bara. Are you seeking the Lord for that miracle? Est-ce que vous cherchez le are you crying for that miracle? Est-ce que vous pleurez pour ce are you crying for that miracle? Est-ce que vous pleurez pour ce miracle? Are you crying for that miracle? Est-ce que vous priez are you pour crying ce for that miracle? Est-ce que vous are you crying for that miracle? Receive that miracle. Receive that miracle. Receive that miracle. Take it in the name of Jesus. Somebody just be speaking. You want to speak in tongues, be speaking. Every protocol that has been limited to every law, every pattern today, we break the protocols. We break the protocols. We break the protocols. Let a new order be released. A new order be released. A new order be released. Receive it in the name of Jesus. A new order be released. A new order be released. A new order be released. God is breaking every you do not qualify. Dieu brise même là où vous n'êtes pas qualifié. Because when there is no wind, parce que quand il y a when there is no rain, y a pas de pluie, the valley is not qualified to have water. La vallée n'est pas qualifiée pour avoir de l'eau. But God says, mais
Every you do not qualify, I am breaking it today. Oh, vous n'êtes pas qualifié. Je brise cela maintenant. Écoutez-moi. Oh Lord. Oh Seigneur. I am tired of fighting to meet the conditions. Je suis fatigué de me débattre pour remplir les conditions. I am tired of fighting to meet the conditions. Je suis fatigué de me débattre pour remplir les conditions. Today, Lord. Aujourd'hui, Seigneur. Let there be water in my valley. Qu'il y ait de l'eau dans la vallée. Let there be water in my valley. Qu'il y ait de l'eau dans ma vallée. Father. Père. I did everything possible. J'ai tout fait de mon possible. I couldn't meet the conditions. Je ne pouvais pas remplir les But conditions. Today, I receive a miracle. Je reçois un miracle. I receive a miracle. Je reçois un miracle. Come on, somebody begin to pray. Que quelqu'un commence à prier. In Jesus' name, lift up your hands. Push my faith, Lord. Push my faith, Lord. Push ma foi, Seigneur. Push my faith. Push ma foi, Seigneur. Push my faith, Lord. Booste ma foi, Seigneur. Push my faith, Lord. Booste ma foi, Seigneur. For the miracle. Pour le miracle. For the miracle. Pour le miracle. I need that miracle. J'ai besoin de ce miracle. Father. Père. I don't need ordinary things. Je n'ai pas besoin des choses ordinaires. Do the miracle. Fais ton miracle. Do the miracle. Fais ton miracle. I don't know about you. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. But where I am now. Où je suis maintenant. Only a miracle can save me. Il n'y a que miracle pour me sauver. Only a miracle can advance me. Il n'y a que miracle pour me sauver. Only a miracle can push me. Il n'y a que miracle pour bouger les choses. Financial miracle. I tried. Prophétesse, j'ai essayé. To make the wind to come. De faire que le vent souffle. And I couldn't. Mais j'ai pas pu. I said rain come. J'ai dit pluie. And I couldn't. Et je pouvais pas. And my back was against the wall. Et mon dos était au mur. Financially. Financièrement. My back was against the wall. Mon dos était au mur. In my ministry. Dans mon ministère. In my career. Dans ma carrière. In my establishment. Dans mon établissement. In my family. Dans ma famille. They gave me conditions. On m'a donné des conditions. So many conditions. Hey, autant Lord, de conditions. Seigneur. I leave the conditions on your altar. Je dépose ces conditions. And sur I ton say, Lord, do a miracle. Et je dis, Seigneur, fais do a miracle. Fais un miracle. 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 Are you hearing me? Est-ce que vous
Come and begin to pray. Commencez à prier. I need a miracle. J'ai besoin d'un miracle. What you need is a miracle. I need a miracle. J'ai besoin d'un miracle. Come on the prophet. Miracle break every order. Le miracle brise tout ordre. By your mercy. Par ta miséricorde. Yes, Lord. Oui, Seigneur. I didn't meet the conditions. J'ai pas rempli les conditions. Yes, Lord. Oui, Seigneur. The wind didn't come. Le vent n'est pas. The rain didn't come. La pluie n'est pas tombée. But you still can bring water. Mais tu as toujours apporté ton eau. You can still bring water. Tu peux toujours apporter ton eau. You can still bring water. Tu peux toujours apporter ton eau. You can still bring water. Tu peux toujours apporter ton eau. You can still bring water. Tu peux toujours apporter ton eau. They told me, Lord. On m'a dit, Seigneur. If I don't fast for 40 days. Hey, si je ne jeûne pas pendant 40 jours. I will not have the breakthrough. Je ne vais pas avoir cette percée. They gave me so many conditions. On m'a donné tellement de conditions. But today. I confess to you, Lord. Je te confesse à toi. I am a human being. Je suis un être humain. I cannot meet the conditions. Je ne peux pas remplir les conditions. But I come to your altar. Mais je viens à ton altar. Let there be water in the valley. De l'eau dans la vallée. As you hear the sound of the shofar. Quand vous entendez le son de la trompette. You are going to celebrate him. Nous allons le célébrer. I don't know if I'm speaking to somebody. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I'm tired of trying to meet conditions. Je suis fatigué d'essayer de remplir les conditions. I'm tired of trying to do it by the book. Je suis fatigué d'essayer d'appliquer la formule. I am tired. Je suis fatigué. Of trying to do it in the churchinity manner. D'essayer de faire cela selon l'église. Every time I want to rise. Chaque fois que je veux me lever. I fall. Je tombe. I want to rise. Je veux me lever. I fall. Je chute. Today. Aujourd'hui. Lord, I am saying. Seigneur, je in dis, my falling, do a miracle. Dans ma chute, fais un miracle. Do a miracle, Lord. Seigneur, fais un miracle. They told me. On m'a dit. I have to pray for 5 hours. Que je dois prier pendant 5 heures. But when I pray for 30 minutes. Mais quand je prie pendant 30 minutes. I am tired. Je suis fatigué. I refuse to condemn myself. Je refuse de me condamner. In my weakness, Lord. Dans ma faiblesse, let Seigneur. There be a miracle. Qu'il y ait un miracle. Let there be a miracle. Qu'il y ait un miracle. Let there Seigneur. Be a miracle. Qu'il y ait un miracle, Seigneur. As you hear the sound of the shofar. Quand vous entendez le son de la trompette. I want you to celebrate him. Je veux que vous le célébrez. For that miracle. Pour ce miracle. For that water in the valley. Pour cette eau dans la vallée. For that water in the valley. Pour cette eau dans la vallée. Let me tell you this story. Laissez-moi vous relater cette histoire. There were 2 kings. Il y avait 2 rois. One was a wicked king. Un était un roi méchant. And one loved God. Et un aimait Dieu. And they called and they were going to war. Et ils allaient au combat. And there was no water. Il y avait pas d'eau. And the soldiers were weak. Et les soldats étaient affaiblis. And the man of God came. Et l'homme de Dieu est venu. And Elisha came. Et Élie est venu. And they said. Et ils ont dit. What do we do? Qu'allons-nous faire? Elisha said, bring me a minstrel to play. Élie a dit, apportez-moi un moyen de prière. Bring me a musician to pray. Oh, un musicien pour jouer. And when the musician began to play, et quand le musicien a commencé à the jouer, spirit of prophecy came. L'esprit de prophétie est descendu. Elijah said to the wicked king, Élie a dit au méchant roi, if it is only you, si ce n'est que toi, I will go back. Je vais retourner. But because of Jehoshaphat, mais à cause de Jehoshaphat, who worship God, qui adore Dieu, God says the Lord. Ainsi parle le Seigneur. You shall not see wind. Tu ne verras pas le you vent. Shall not see rain. Tu ne verras pas but la pluie. The valley shall be filled with water. Mais la vallée sera remplie d'eau. Amen. For yourself. Pour vous. For your animals. Pour vos animaux. For your soldiers. Pour vos soldats. The valley shall be filled la with water. La vallée sera remplie d'eau. Amen. As you hear the sound of the shofar. Quand vous entendez le son de la I want you to celebrate that miracle. Je veux que vous célébrez ce miracle. Celebrate that miracle. Célébrez ce miracle. Come and begin to celebrate that miracle. Ah. Celebrate that miracle. 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 Celebrate that miracle.
name. Au nom de Jésus. Come on, celebrate him. Célébrez-le. Be seated. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Karamo shabayabaya. Look at your neighbor. Regardez votre voisin. C'est my valley. Et ma vallée. It's filled with water. Est remplie d'eau. Even though there was no wind. Même comme il n'y avait pas de vent. Even though there was no rain. Malgré le fait qu'il n'y avait point de pluie. Yet there is water. Malgré cela, il y a de l'eau. Celebrate Jesus. Célébrez Jésus. You know. Vous savez. Karabozika brahindos kubrahandaya. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Let it be done. Qu'il soit fait. Miracles. Les miracles. We need a miracle. Nous avons besoin d'un miracle. I don't know about you. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. I need a miracle. J'ai besoin d'un miracle. Miracles. Des miracles. Something that breaks protocol. Quelque chose qui va briser tout protocole. That is beyond my imagination. Qui est au-delà de mon imagination. Something that will make me say, wow. Quelque chose qui va me faire dire wow. Kabbalah Zopataya. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It shall be so. Ainsi sera-t-il. Célébrez-le. Amen. Let's quickly say something from the word. On va rapidement dire quelque chose de la parole. The French service are enjoying the word. Durant le service en français, je me suis bien réjoui de la parole. They are enjoying the word. Oh, ils se sont bien réjouis de la parole. And the English service are enjoying the declarations. Et pour le service en anglais est en train de se réjouir des déclarations. So there are many people in this service that have problems more than the French service. Donc il y a personnes dans ce service qui ont plus de défis que le service en français. Because in the French service I have time to teach. Parce que dans le service en français j'ai le temps pour enseigner. Last week I couldn't teach. La semaine dernière, je ne pouvais pas enseigner. But I taught in the French service. Mais j'ai enseigné durant le service en français. This week, cette semaine, I wanted to minister, je voulais rendre ministère. But the Holy Ghost says, teach. Mais le Saint-Esprit me dit, enseigne. Et aujourd'hui, nous sommes là. Tous ces problèmes-là sont résolus aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous me suivez? Papa Zanga, come, please. Up and down sickness has to stop today. Donc ces maladies. Somebody come and hold me. Where's the oil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici malade aujourd'hui?
Amen. 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 Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Restez là-bas, ok? Mm-hmm. Amen. Amen. Let's look at the last principle of multiplication. Donc nous allons regarder le dernier principe de multiplication. I'm going to speak a little bit fast, and then and the principle of the grace of God working in you to multiply. Donc, nous allons parler du principe de la grâce de Dieu qui œuvre en vous pour la multiplication. Open your spirit to the grace working in you. Ouvrez votre esprit pour la grâce qui œuvre en vous. We've talked about the principle of thanksgiving. On a parlé du principe d'action de grâce. We've talked about the principle of being a diligent worker. Nous avons parlé du principe d'être un travailleur diligent. We've talked about the principle of faithfulness. Nous avons parlé du principe de fidélité. We've talked about the blessings of God. Nous avons parlé des bénédictions de Dieu. Let's talk about that grace that is working in you. Donc nous allons parler de cette grâce qui travaille en vous. You have to understand. Vous devez comprendre que that Jesus is very clear. Que Jésus est clair, très John, clair. In John chapter 12 verse 24. Dans Jean chapitre 12 verset 24. Can we read John chapter 12 verse 24? Nous allons suivre en français Jean chapitre 12 verset 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat falls into the ground and die, it abides alone, but if it dies, it bringeth forth much fruit. If it dies, it brings... Let me have New Living Translation. Donc, quand le grain meurt, il produit plus de fruits. Verily, I say, the truth is, a kernel of wheat must be planted in the soil. Unless it dies, it will be alone, a single seed. But his death will produce many new kernels, plentiful harvest of new lives. Come on, somebody say, I'm multiplying. Que quelqu'un répète, je mute, je me multiplie. Say, I'm multiplying. Je me multiplie. So he's telling you that there's something that has to die. Non, il vous dit qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Amen. So multiplication can take place. Pour que la multiplication puisse avoir lieu. There's a desire that has to die. Il y a un désir qui doit mourir. So multiplication can take pour place. Que la multiplication puisse avoir lieu. That is a decision that has to die. Il y a une décision qui doit mourir. So multiplication can take place. Pour que la multiplication puisse avoir Jesus lieu. Is saying, et Jésus est en train de dire that when you get to that place, que quand vous arrivez à cette place-là, you have to examine yourself, vous devez vous examiner and see what has to die. Et voir ce qui doit mourir. So you don't remain alone. Pour que vous ne demeurez pas seul. Even in finances, même dans les finances, you want your finance to multiply. Vous voulez une multiplication dans vos finances. There is an attitude that has to die. Il y a un comportement qui doit mourir. A kind of attitude. Ce genre de comportement. You know that attitude, right? Vous connaissez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Eh? Bye 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 bye. Hello? Allô?
Just buy shoes, buy dress, buy shoes, buy dress, buy shoes. Acheter les habits, les chaussures, les habits, les chaussures. He has to die. Ça doit mourir. Something has to die. Quelque chose doit mourir. Look at your neighbor, say something has to die. Regardez votre voisin et dire que quelque chose doit mourir. Amen. Amen. You want to grow in the Lord? Vous voulez grandir dans le Seigneur? That extra sleep has to die. Hey, ce sommeil extra là doit mourir. Hello. Hello. You have to kill it. Hey, vous devez tuer cela. Hein? That little, that little laziness has to die. Little, dans cette little. Petite paresse là, ça doit mourir. Kill it. C'est tout petit, cette petite paresse. A little extra time. Un tout petit peu de temps supplémentaire. On the phone. Au téléphone. Has to die. Doit mourir. Look at your neighbor, say, what are you killing today? Regarde ton voisin et demande-lui, qu'est-ce que tu tues aujourd'hui? For you to multiply. Pour que tu puisses multiplier. What are you killing today? Qu'est-ce que tu tues aujourd'hui? For you to multiply. Pour pouvoir multiplier. Alléluia. Alléluia. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? Okay. Don't look at the neighbor. Ne regardez pas le voisin. Just say that little attitude has to die. Non, il faut juste dire ce petit comportement-là doit mourir. Because that attitude can drive away helpers. Parce que cette attitude-là peut chasser des aidants. And a helper can be somebody that God sends to come and help you multiply. Et un aidant peut être quelqu'un que Dieu vous a envoyé pour vous aider à vous multiplier. And you just put up that attitude. Et vous ramassez contre ce comportement. Et la personne dit quoi? I didn't know you were like that. Hey, je savais pas que tu es comme ça. Unless a grain of wheat it dies. But donc, si le grain ne meurt. Which means that, qui veut dire que what is Jesus saying? Qu'est-ce que Jésus dit? If you want to multiply, si vous voulez multiplier, you have to be honest to yourself, vous devez être honnête avec vous-même and begin to look at the things in your life, et commencer à observer ces choses-là dans votre which vie have been hindering your multiplication, qui empêchent votre multiplication and start killing them. Et commencer à les tuer. Amen. What are the things? Quelles sont ces choses-là? What are the attitudes? Quels sont ces comportements-là? Some people, pour certains, it's their mouth. C'est leur bouche. Say, look at your neighbor, say there's grace. Remember my, il y a la grâce. It's the principle of the grace working in you. Souvenez-vous que c'est le principe de la grâce qui travaille en vous. There is grace. Il y a la grâce. So you just go to the house, look at the mirror. Vous allez aller chez vous et regarder le miroir. Die. You cannot stop my multiplication. Tu ne peux pas empêcher ma multiplication. You cannot stop my multiplication. Tu ne peux pas m'empêcher. I must multiply this year. Je dois multiplier cette année. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? So when you are driving, donc quand vous conduisez, and you see the advertisement, et vous voyez toutes les publicités, keep your head straight. Gardez votre tête droite. Keep your head straight. Dites à quelqu'un, gardez votre tête droite. Because you have killed that desire. Parce que vous avez tué ce désir. Oh my God. Amen. Something must die. Quelque chose doit mourir. Amen. Amen. Kalabose prahandaya. Jesus is awesome. Jésus est merveilleux. Now, the original context of this scripture, dans le contexte original de ce passage, Jesus is talking about himself. Jésus parle de lui-même. He's saying, il dit, I came to harvest the world. Je suis venu pour avoir une récolte, récolter but le for monde. Me to harvest the world, mais pour que je puisse avoir cette moisson, I need to die. Je dois mourir. So sometimes, donc parfois, there are some things happening in your life, il y a des choses qui se produisent dans votre vie which are killing you for multiplication. Qui vous tue pour la multiplication. I didn't say amen to that one. Yes. Do you know that there are some people? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens? God will deliberately put them to be beside you. Que Dieu va les mettre proche de vous. They are your killers. C'est eux qui doivent vous tuer.
And they are approved by God. Et ils sont approuvés de Dieu. Yes. Oui. When they begin to act, quand ils commencent à agir, they are killing that character in you. Ils tuent ce caractère-là en vous. You say, God, what is happening? Hey, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? And God will tell them, good job. Et Dieu va leur dire, félicitations, bon travail. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? Even if you try to run away, même si vous essayez de vous enfuir, you cannot run away. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Because something has to die. Parce que quelque chose doit mourir. But when it dies, mais quand ça meurt, it comes beautiful. Ça ressort tellement beau and begin to multiply. Et commence à multiplier. Begins to multiply. Ça commence à multiplier. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? But one thing you have to understand, mais une chose que vous devez comprendre, is that the grace to die, c'est que la grâce pour mourir, it's not your strength. N'est pas votre force. That grace is inside of you. Cette grâce-là est en vous. And there is a way you can multiply it. Et il y a une manière que vous pouvez multiplier cela. 2 Peter chapter 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Peter chapter 1 verse 2. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Father, I need to multiply. Père, j'ai besoin de multiplier. I need my business to multiply. Je veux que mes affaires se multiplient. Yes, my son, I've heard you. Oui, mon fils, je t'ai entendu. Yes, my daughter, I've heard you. Oui, ma fille, je t'ai entendu. But I need you to kill something. Mais j'ai besoin que tu tues certaines choses. Laziness. La paresse. Procrastination. Et renvoyer là. I need you to kill it. Je veux que vous tuez cela. Renvoyez à demain. So that it can multiply. Pour que vous puissiez multiplier. So you can do it. Que vous puissiez le faire. Second Peter says, may God bless you with his special favor and wonderful peace as you come to the knowledge of Jesus Christ, our God. The knowledge of, as you come to know Jesus, our God and Lord, better and better. Amen. Amen. Now, let's talk about special favor and wonderful peace. Let's have New Living Today. Non, ça parle d'une faveur spéciale et d'une paix merveilleuse. King James Version, please. On va voir la question Kim J. Grace and peace. La grâce et la paix. Grace and peace. La grâce et la paix. Be multiplied. Soit multiplié. So look at your neighbor. Say there is grace that can be multiplied inside of you. Regarde ton voisin et lui dit il y a la grâce qui peut se multiplier en toi. And how can that grace be multiplied? Et comment est-ce que cette grâce là multiplier. Number one, numéro un, it talks of the knowledge of God. Ça parle de la connaissance de and Dieu. The knowledge of Christ. Et de la connaissance but de that Christ. Is effective when you build an intimacy with the Holy Spirit. Mais ceci est effectif quand vous bâtissez une intimité avec le Saint-Esprit. Listen. Hey, écoutez. Let's be honest. Soyons honnêtes. All of us. Chacun d'entre nous, myself included, moi-même inclus, we have tried to kill something since many years ago. It's not dying. Nous avons essayé de tuer certaines choses depuis des années, mais ça ne meurt pas. Combien? Look, I never say it's not dying. Regarde ton voisin, dit ça ne meurt pas. It's not. You thought it died, right? Hey, vous pensez que c'était mort, n'est-ce pas? Until all condition becomes abnormal. Jusqu'à tout and ce que les I'm still alive. I did that. Ne sont pas réunis et cette chose-là ressurgit et vous dit je ne suis pas morte là, je suis encore en vie. Then it showed up. Et ça se manifeste. And you are surprised. Et vous êtes surpris. What? Quoi? I thought this attitude died 3 years ago. Je croyais que ce comportement-là est mort il y a de cela 3 ans. You know why? Vous savez pourquoi? Because you try to kill it with your own human will. Parce que vous avez essayé de tuer cela avec votre volonté humaine. See, the human will can survive when all conditions are normal. Vous savez, la volonté humaine peut réussir à survivre quand toutes les conditions sont but normales. When conditions become abnormal. Mais quand les conditions deviennent abnormales, the human will. La volonté humaine. How many people have been betrayed by their human will before? Combien ont été trahis par leur volonté humaine auparavant? When you thought you were in control. Et quand vous pensiez que
Et la situation. And then the situation becomes abnormal. Et la situation devient abnormale. And then you begin to loosen up. Et vous commencez à vous relâcher là. And that thing you thought was dead. Et vous, cette chose là que vous pensez qui était mort. Manifest. Commence à se manifester. And when you finish, you go and sit and say, wow, was I the one? Quand vous finissez, vous allez vous asseoir et vous vous demandez, est-ce que c'était moi ça? Brethren. Hey. Because you tried by your strength. Parce que vous avez essayé de vos propres forces. The Bible is telling you, mais la Bible vous dit there is grace qu'il y a la grâce that can be released into your spirit qui peut être relâchée dans votre esprit to help you pour vous aider to kill that thing. Pour tuer cette But chose. That grace, mais la grâce, number one, première, it comes through the revelation of the word in your spirit. Vient à travers de la révélation de la parole and the revelation of the word in your spirit. Et la révélation de la parole dans votre esprit. It comes by intimacy with the Holy Ghost. Ne peut venir qu'avec une intimité avec le Saint-Esprit. Intimacy with the Holy Ghost. Une intimité avec le Saint-Esprit. That's what the Bible says. C'est pour ça que la Bible nous dit. The sweet fellowship of the Holy Spirit. La communion avec le Saint-Esprit. The sweet fellowship. La communion, la bonne communion avec le Saint-Esprit. And I said that word fellowship means in Hebrew it is koinonia. Et ce mot en hébreu veut dire koinonia. Which means three things. Qui veut dire trois choses. Number one. Premièrement. Intimacy. Intimité. An intimate fellowship. Une communion intime. See here. Regardez. Most of us here, la majeure partie d'entre nous ici, we are not intimate. Nous ne sommes pas intimes. Including husband and wife. Inclus mari et femme. When mari et femme when inclus. Intimacy, you tell every, you, everybody knows everything. Quand il y a une intimité, vous pensez que tout le monde connaît tout. Praise God. Loué soit le Seigneur. Hello. Allô. Say, I'm intimate with my husband. Je suis intime avec mon mari. I'm intimate with my wife. Je suis intime avec mon épouse. Is it true? Est-ce que c'est vrai? Do you say everything? Hey, est-ce que tu dis tout? Tout? Merci. Eh? Go back to Adam and Eve and ask them, they will tell you intimacy. Retournez chez Adam et Ève et ils vont vous parler de l'intimité. They were naked. Ils étaient nus. Transparent. Transparent. Open. Ouvert. And they were not ashamed. Et ils n'avaient pas honte. Today. Aujourd'hui. Oh, another story. You know, when I was preaching in the French service, it's only the married people that were answering. Vous savez, they say, hey. Quand je prêchais durant le service en français, c'est les couples mariés qui répondaient et leur réponse était hey. When I said intimacy means open up everything, they say hey. Quand je disais l'intimité, ça veut dire quoi? S'ouvrir, ouvrir à tout. Ils étaient comme hey. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? That's the meaning of koinonia. Mais c'est ça la signification de koinonia. Open up to the Holy Spirit. S'ouvrir au Saint-Esprit. Tell him. Dire. See, Holy Ghost. Saint-Esprit. This anger. Hey, cette colère. It has disgraced me. Ça m'a souillé. It's time to deal with it. C'est le moment de gérer cela. And how will he do that? Et comment est-ce qu'il fera he will cela? Make the knowledge of the word. Il va vous faire connaître la parole. To become relevant to you. La connaissance de la parole sera relevant pour the word. Vous allez étudier la parole. And there will be a revelation of that word. Et il y aura une révélation de cette parole. That will bring your deliverance. Qui va vous apporter la délivrance. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. Most of the attitude La majeure partie des problèmes de comportement that we suffer, dont nous souffrons, it is not by laying of hands that drives it away. Ce n'est pas en imposant les mains que ça va partir. It's your encounter with the word in your spirit. C'est votre rencontre, c'est la rencontre de la parole avec votre esprit that will push away that attitude. Qui va repousser ce comportement. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? Number two meaning of koinonia means partnership. Deuxième signification de koinonia veut dire partenariat. So you partner with the Holy Ghost. Donc vous avez un partenariat avec to le Saint-Esprit help you
pour vous aider. Oh, you become a baby in his hands. Oh, vous devenez un bébé entre ses mains. Help me, Holy Ghost. Hey, aide-moi, Saint-Esprit. You see what that person has done? Vous voyez ce que cette personne m'a fait? What is boiling inside ce of me? Ce qui bouillonne en moi. Put a lock on my lips, Holy Ghost. Mets un cadenas à mes lèvres, Saint-Esprit. Put a lock on my lips. Mets un cadenas dans because mes if I explode here. Hey, parce que si j'explose ici. Oh, yes. You see, has somebody ever done something to you? Vous voyez, est-ce que quelqu'un vous a déjà fait quelque chose? And you say, Lord Jesus, can I keep you a little bit one side? Et vous dites au Seigneur, Seigneur Jésus, laisse-moi un peu oh, vous mettre, yes. mettre de côté. Oh, que oui. Say, Lord. Seigneur. If I was not born again. Hey, si je n'étais pas né de nouveau là. Oh my God. Oh Seigneur. What I would have done. Hey, ce que j'allais faire là. Come on, don't be too holy on me now. Non, ne soyez pas trop saint là. If I was not born again. Si j'étais pas né de nouveau. And you are looking at the person. Et vous regardez la personne. And the person is talking. Et la personne and parle. And you say, you are lucky. You et are en lucky. Vous dites non, vous êtes chanceux là. Vous êtes chanceux. You are lucky. Vous êtes chanceux. If you came 5 years ago. Si vous étiez venu il y a de 5 ans. Hey. When I didn't know Christ, quand je ne connaissais pas Christ, I would have shown you something. Je vous aurais montré quelque chose. You know me? That's when the Holy Ghost comes in now. C'est là où le Saint-Esprit rentre en jeu. Fellowship with him. La communion avec lui. Number one, you must. How do you fellowship with him? Recognize him. Donc, vous devez premièrement, vous devez avoir une communion avec lui, he le reconnaître. Not a wind. Ce n'est pas un vent. He is not a bird. Il n'est pas un oiseau. He is not a dove. Il n'est pas la colombe. He is not a force. Il n'est pas une force. He is the Lord. Il est le Seigneur. The Spirit of the Lord. L'Esprit du Seigneur. And he is a person. Et il est la personne. You need to worship him. Vous devez l'adorer. You need to recognize him. Vous devez le reconnaître. You need to open yourself in his presence. Vous devez vous ouvrir à sa présence. Oh, Spirit of the Lord. Oh, Esprit du Seigneur. I tell him all the time. Je lui dis tout le temps. Fellowship with the Holy Ghost is not prayers. La communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas la prière. It's talking. C'est parler. Intimacy with him. L'intimité avec lui. You know me. Tu me connais. You know me. Tu me connais. You know this thing has to die, tu connais que cette chose doit mourir, Saint-Esprit. It has to die, oh. Ça doit mourir. You have to kill it. Tu dois tuer cela. And you are searching the Bible. Et vous fouillez la Bible. Because, hear me. Écoutez-moi. Pastor Johnson, come. Let me show something. So round up. We are searching the scriptures. Vous fouillez les écritures. With the intimacy of the Holy Ghost. Avec l'intimité du Saint-Esprit. And you encounter a word. Et vous rencontrez une parole. That word becomes a revelation in your spirit. Cette parole devient une révélation à votre it esprit. It hits your spirit. Et ça touche votre Bam! Esprit. Bam! That is grace. Ça c'est la grâce. Immediately. Immédiatement, you receive the grace vous recevez la grâce to overcome that situation. Pour vaincre cette situation. Tell Amen. Your neighbor, say, that is how you kill it. Dis à ton voisin, c'est comme ça que vous tuez cela. You want to kill it permanently? Vous voulez tuer cela de manière permanente? That's what we are saying. C'est ce que nous sommes en train you want de to dire. Kill it temporarily? Vous voulez tuer cela temporairement? I'm not gonna talk. Non, je ne vais pas parler. Talk. Oh, you will talk. Tu vas parler. It's a matter of time. C'est juste une affaire de temps. Because when the devil step on your toe, parce que quand le diable va écraser vos orteils et que he's not in a haste to leave your toe. Il n'est pas pressé de lever son pied. Sur your mouth will open. Il va écraser vos orteils. Have you not planned it? N'avez-vous pas planifié today, cela aujourd'hui, hein? No matter what happens, I'm not going to say anything. peu importe ce qui se passe, je vais rien dire. Oh là. My God! Before you start talking, you don't even know when you started talking. Hey, vous ne vous rendez même pas compte quand vous avez commencé à parler. Father, forgive me. Oh. Hey, Seigneur, pardonne-moi. Okay, tomorrow. Okay, demain là. Setting laws for yourself. Tu établis des when lois you pour have toi. Intimacy with the Holy quand Ghost, you don't need a law. Intimacy avec le Esprit, tu it's n'as a pas besoin de loi. C'est une relation. The overflow
of that relationship. C'est un débordement de cette relation. The overflow of that relationship. Le débordement de cette relation. Gives you a lifestyle. Vous donne un style de vie. And you are not conscious of the law. Et vous n'êtes pas conscient des lois. But you just discover. Vous découvrez. Your desires are transformed. Que vos désirs sont transformés. Your attitude is transformed. Votre comportement a changé. See, we are transformed as by the Spirit of the Lord. Nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu. As we look into the mirror. Quand nous regardons dans le miroir. Which is the word of God. Qui est la parole de Dieu. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. And the word. Et la parole. Is the grace that kills that desire. C'est la grâce qui tue ces désirs. Amen. It's by the word. C'est par la parole. And you just know that. Et vous savez simplement cela. Suddenly. Soudainement. You are driving. Vous êtes en train de conduire. You pass the shop, you didn't even know there was a shop there again. Et vous avez dépassé la boutique, vous ne vous êtes même pas rendu compte. Then you reach the house. Et vous arrivez à la maison. And your friend call you. Et votre ami vous appelle. Because we have those friends who tell us everywhere there is. Parce que nous avons des amis qui nous disent partout il y a des ni 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 ni. Come on, am I preaching to somebody here? Est-ce que je prêche hey. À quelqu'un? They tell you everywhere you can spend it. Ils vous disent partout où vous pouvez dépenser là. And that friend calls you. Et cet ami vous appelle. You say no. Il dit hey. No, I'm not interested. Non, je suis pas intéressé. You know why? Vous savez pourquoi? Because you don't even know when you are delivered. Parce que vous ne savez même pas quand vous êtes délivré. That's what the Holy Ghost does in your spirit. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans votre esprit. Through the explosion of the word. Dans l'explosion de la parole. Through the explosion of the word. Par l'explosion de la parole. You don't know when you are free. Vous ne savez pas quand vous êtes libéré. You just know. Vous constatez seulement que vos désirs ne sont plus là. Vous ne voulez plus aller à la fête. Vous ne voulez plus écouter ce genre de musique. Auparavant, you say, I will not listen to it. Vous allez dire non, je ne vais pas écouter cela. And then you hear that Beyoncé. Et après vous allez entendre Beyoncé. That Beyoncé. Cette Beyoncé. And then before you know, et avant que vous ne réalisez, vous êtes tin 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 tin. Yeah. Oui. And then you say no, I et bind dites, you non, in the name non, of non, Jesus. Non, je te lis au nom de Jésus. I don't want to listen. Je veux plus écouter. No. Non. When you have intimacy with the Holy Ghost. Quand vous avez une intimité and avec the le word, Saint-Esprit et la it transforms parole, your desires. Ça transforme vos désirs. It transforms your desires. Ça transforme nos it désirs. It becomes natural. Ça devient naturel. And the Christian life becomes easy. Et la vie chrétienne devient facile. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? Things begins to happen. Les choses commencent à se everything produire. About your spirit changes. Tout par rapport à votre esprit change. That's why you spend time with him. C'est pour ça que vous passez du even temps if you don't avec know lui. What to say, même si vous ne savez pas quoi just dire, say, Holy Ghost, I'm here. Juste dire, Saint-Esprit, je begin suis là. To worship him. Commencez à l'adorer. Every time tout you fois spend quality time with que him. Vous passez un temps de qualité avec he lui. Adjusts your desires. Il réajuste vos he désirs. Adjusts your attitude. Il réajuste votre comportement. He transforms your mind. Il transforme votre pensée. That's how you kill it. C'est comme ça que vous tuez cela. Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Are you there with me? Est-ce que vous me you suivez? Just know. Vous constatez seulement you don't want to be with that friend again. Que vous ne voulez plus être avec you cet don't want ami. To be with that group again. Vous ne voulez plus être avec ce groupe. Because when you look at them, parce que quand vous les regardez, there's a different desire inside of you. Something is different inside of you. Quelque chose est différent en vous. You don't know when it happened. Vous ne savez pas quand ça s'est but produit. You know it has happened. Mais vous savez que ça s'est produit. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? Brethren, bien aimé, love the Holy Ghost. Aimez le Saint-Esprit. Open your spirit to him. Ouvrez votre esprit make au Saint-Esprit. A decision. Prenez cette décision. Écoutez-moi. Ask him to help you. Demandez-lui de vous to aider pour bâtir une intimité. He is the one. Il est celui that will help you. Qui va vous he aider. Is the one il est celui that will direct you. Qui va vous he diriger. Is the one amen. That il will est celui sustain that intimacy. Qui va soutenir, garder cette all intimité. You need to do tout ce dont vous avez is the besoin willingness de faire, to obey him. C'est la volonté à lui obéir. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? When you want to go to the kitchen, quand vous voulez aller à la cuisine and you are hungry, et vous and avez you feel faim in your spirit, et vous ressentez dans votre you have esprit to que vous voulez you just run back to the room et vous retournez dans and you la begin chambre. To makarababa. Et vous commencez that's à how the Holy Ghost functions. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne.
You don't say, "Hey, I'm hungry." Vous n'avez pas dit, "Oh, j'ai faim." No. Non. Because he is the commander. Parce que c'est lui le commandeur. He is not your servant. C'est pas votre serviteur. He is the senior partner. Il est le partenaire supérieur. Boss. Il est le he boss. He is the owner. Il est le propriétaire. Hear me. Écoutez-moi. What you need. Ce dont vous it's avez not besoin. Money. C'est it's not a house. Ce n'est pas l'argent, it's c'est pas la business. Maison, c'est pas les it's affaires, not a car. C'est pas les what voitures. Ce dont it's vous avez besoin, with the Holy Ghost. C'est l'intimité avec le that's Saint-Esprit. C'est tout ce when dont vous avez besoin. That, quand vous avez you have cela, everything. Vous avez tout autre chose. Amen. Everything becomes possible. Tout devient possible. Every time I spend time in his presence, chaque fois que je passe du temps dans sa présence, something happens to me. Quelque chose m'arrive. I always feel je sens toujours as if my organs are being renewed. Comme si mes organes sont en train de se renouveler. I feel it. Je le sens. I feel je sens cela. That my bones are being straightened. Que mes os sont en train de se renforcer. The Holy Spirit, le Saint-Esprit he will help you. Va vous aider. Are you there with me? Est-ce que vous me suivez? When you get home, quand vous retournez à la you maison, write your list of what has to die, vous écrivez votre liste de ce qui doit leave mourir. It to him, remettez-lui cela. Just get into his presence. Juste rentrez dans sa présence. Get into his word. Rentrez dans sa parole. Let him minister to you, qu'il vous rende ministère. And you will be surprised et vous serez surpris what will happen at the end. De ce qui va se passer à la fin. Remember, souvenez-vous, what you carry ce que vous portez are his fruits, sont ses fruits. Not your fruits. Pas vos fruits. They are his fruits. Ce sont ses fruits the Bible à lui. Says the fruits of the Holy Ghost. La Bible nous parle des fruits du Saint-Esprit. It is not your fruits. Ce ne sont pas vos all fruits. You have to do, tout ce dont vous avez allow à faire him express that fruit c'est in your de life. Lui permettre d'exprimer ces fruits-là dans votre vie à travers de votre rencontre avec la parole. Lift up your hand, say it's possible. Levez la main et dites c'est say possible. It's possible. C'est possible. So I know how to kill it. Que je sache comment tuer cela. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance stand du Saint-Esprit. Stand on your feet and begin to talk to the Holy Ghost. Tenez-vous debout et commencez à parler open au Saint-Esprit. Open your mouth and talk to the Holy Ghost. Ouvrez vos bouches, commencez à come parler on, begin au to tell him, teach me how to love you. Lui dit enseigne-moi comment teach me how to have intimacy with comment you. Comment avoir une intimité avec teach toi. Teach me how to know you. Enseigne-moi comment te connaître. I want to koinonia with je you, Holy Ghost. Je veux koinonia avec toi. I need to know how to koinonia with you. J'ai besoin de savoir comment koinonia avec toi. I need to know how to fellowship with you. J'ai besoin de savoir comment communier avec toi. Neglecting you a lot. J'étais beaucoup négligé. Oh, sweet spirit of the Lord. Oh, bon esprit de Dieu. I need you to help me. J'ai besoin que tu m'aides. Talk to him. Parlez-lui. I have tried. J'ai essayé. I cannot meet up. Je ne peux pas but y today, arriver. Je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, your word, par ta parole, let there be grace in my spirit. Qui est la grâce dans mon let esprit. There be grace in my spirit. Qui est la grâce en let moi. Let there be grace in my spirit. Qui est la grâce dans mon let esprit. Let there be grace in my spirit. Qui est la grâce dans mon esprit. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, he is the grace of God. Il est la grâce de Dieu. Through the word of God, par la parole de Dieu. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, he is the grace of God. Il est la grâce de Dieu. Through the word of God, par la parole de Dieu. The Holy Ghost, le Saint-Esprit, he is the grace of God. Il est la grâce de Dieu. Through the word of God, par la parole de Dieu. I want you to to talk to him. Je veux que vous lui create parlez. A hunger in my spirit. Créez une faim dans mon esprit. I need that hunger. J'ai besoin de cette I need faim. That hunger. J'ai besoin de cette I need faim. That hunger. J'ai besoin de I cette need that faim. Hunger. J'ai besoin I need de that cette hunger. Faim, Seigneur. J'ai besoin I need de cette hunger. Faim, cet esprit. Oh, j'ai besoin de tes oh, faim, éternel des armées. J'ai besoin de cette I faim. I need that hunger. Elohim et Shaddai. I want to know j'ai you. Besoin de cette faim. I j'ai besoin de te connaître. Teach me j'ai how besoin to know you. De te rencontrer. I want to know you. Moi, éternel des open armées. My spirit. Je veux te connaître. Build an intimacy ouvre with mon me. Esprit. Ouvre mon esprit. Build an intimacy with me. Ce qui est une intimité avec moi. Come on, begin to pray. Commencez à prier. Commencez à prier. Kabalo shebalabaya balaba shabalabaya bala. Ikete kere kete shekete kere kete. Kabalo shabaya balaba. Basantara basantara burekete shekete. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. I cease from my own efforts. J'arrête de me battre. I cease from my own loss. J'essaye. J'arrête. I cease
cease my own laws. Je prie, j'arrête toutes mes lois. And I begin to submit to the Holy Ghost. Et je commence à me soumettre au Saint-Esprit. I open my spirit. J'ouvre mon esprit. Hear me. Écoutez-moi. There are many of you who condemn yourself by so many laws. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous condamnez avec beaucoup de lois. What you need to do. Ce dont vous avez à faire. Ask the Holy Ghost. Demandez au Saint-Esprit. Remember, I said koinonia. Souvenez-vous que j'ai dit koinonia. Means intimacy. Veut dire intimité. It means partnership. Ça veut dire partenariat. It means direction. Ça veut dire direction. Or distribution. Ou distribution. You are going to pray these three things nous with the Holy Ghost. Nous allons faire ces trois choses, prière intimacy, au Saint-Esprit. L'intimité, partnership, le partenariat and direction. Et la direction. Open your mouth and pray. Ouvrez vos bouches et priez. Ask him he's able to. Talk to him, talk to him, talk to him. Parlez-lui, parlez-lui. Talk to him, parlez-lui. Talk to him. Parlez-lui, parlez au Saint-Esprit. Talk to him. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Éternel des armées, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces enseignants, Seigneur. Merci de nous donner la grâce d'avoir une intimité avec toi, Éternel des armées. Merci, Seigneur, de nous montrer d'avoir un partenariat avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous guider partout où nous allons, que ce soit les choix de vie, Seigneur. Guide-nous, Éternel des armées. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, rien ne vaut ton intimité, Éternel des armées. Merci, Seigneur, pour la grâce d'avoir un partenariat. Parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus. Mes sœurs, levez-vous. Mets-toi debout. Ma sœur, lève-toi. Tell me how you feeling. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu sens? Tu sens bien? Hein? Ça va beaucoup mieux. Ça commence à aller. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Let the healing be permanent. Que la guérison soit permanente. No cycle of sickness again. Aucun cycle de maladie. Plus jamais. Your bones. Tes os. Your blood. Ton sang. Your tissue. They are healed. Tes cellules sont guéries. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Celebrate Jesus for her. The whole The Holy Ghost will help you in the challenge of every month. Le Saint-Esprit va nous aider pour les défis de chaque mois. Please don't be indifferent to it. S'il vous plaît, ne soyons pas indifférents. One person per month. Une personne par mois. I see that since we started announcing for people to feel this. Je constate que depuis que nous avons annoncé que les gens remplissent cela. Wow. Clap for yourself. Acclamez pour vous-même. I said clap for yourself. J'ai dit acclamez pour vous-même. Only four people have filled. Il y a quatre personnes qui ont rempli. Please. S'il vous plaît. We want those who want to lead home cells. We have four here now. Nous voulons ceux qui veulent diriger les cellules à la maison. Nous n'avons que quatre personnes. Please, I assume that you forgot. Je me dis que vous avez oublié, mais. Yeah. Brother Donat is standing here. Ouais, those who want house home cell fellowship in their home. Ceux qui veulent les cellules every chez two eux. Weeks, tous les deux semaines. We have only one name here. Nous n'avons qu'un seul. Everybody nom. Is running away. Tout le monde s'enfuit. Then we send there. You know how you pray that prayer and that person was removed now. Can you comment pray that prayer so that the angel of God will start flocking some people? Est-ce que tu peux faire cette prière là que l'ange de Dieu commence à fesser les gens? Please put your name here. S'il vous plaît, remplis
We need many home cell fellowship. Nous avons besoin de plusieurs cellules. The fact that the home cell fellowship operates in your heart doesn't mean you have to be the one to lead it if that is your fear. Dans le fait que la cellule aura lieu chez vous ne veut pas dire que c'est vous qui allez diriger cela. We can always send somebody to assist. On peut toujours envoyer quelqu'un pour vous Please. Assister. Please. I want to see many names here because we are rounding up this, so that's why I want to see many names here. Je veux voir plusieurs noms là parce que nous sommes en train de conclure. Amen. Amen. And those who said they want the apostle to come to their house and invite friends and neighbors, I see we have only two names here. Et pour ceux qu'on demande qui veulent que l'apôtre vienne chez eux, qu'ils invitent leur famille et voisins, je ne vois que deux noms là. You have to clap for yourself. Vous devez acclamer pour vous-même. Please. S'il vous plaît. Fill these forms. Remplissez ces formulaires. Amen. Amen. Just stand behind and be looking at them in their eyes. Non, tenez-vous derrière et... All right, so after today, next Sunday, we'll pass it. Donc, Thank dimanche, you for that suggestion. But right now, brother, don't stand there. Put three tables. Just put three tables with them there so you don't hold it, so that people should see it. Next week, we'll do Brother Eric's suggestion. Lift up your hand. Levez les mains. Say there's something working in me. Il y a quelque chose qui travaille en moi. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Through the word of God. Au travers de la parole de Dieu. Has released grace in me. A relâché la grâce en moi. To kill what needs to be killed. Pour tuer ce qui doit être tué. Not by my efforts. Pas par mes efforts. Not by my strength. Pas par mes forces. Not by my might. Pas par ma But by the Spirit of the Lord, Mais par l'Esprit du Seigneur, I shall be conformed je vais me conformer to multiply. À la multiplication. I receive that grace. Je reçois cette grâce. I receive that grace. Je reçois cette grâce. Even if there is no wind, même s'il y a pas de vent, even if there is no water, même s'il y a pas d'eau, my valley will be filled with water. Ma vallée sera remplie d'eau. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Celebrate the Lord if you believe that. Célébrez le Seigneur si vous croyez God en bless cela. You. Que Dieu vous bénisse. Those who are online, thank you for joining us. Ceux qui sont en ligne, merci de nous May the rejoindre. Grace of the Lord go with you. Que la grâce de Dieu aille avec vous. Make sure you call somebody who didn't come today and pray with them. Donc rassurez-vous de prier avec eux. Somebody who didn't come today, pray with them. Pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, priez avec the Lord eux, be parlez with you. Avec eux, que le Seigneur Thank soit you for avec joining vous. Us. Merci de nous rejoindre. I love you. God bless you. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Amen. Bye.